approche. Tu t'énerves trop. Non, ça va, je m'énerve pas tant que ça en vrai. Juste que là, les games sont pas intéressantes, donc bon. J'essaye de montrer pour ceux qui croient pas encore à l'algorithme que c'est le hasard. C'est le hasard que sur les 20 dernières games, enfin sur les 20 dernières games, j'ai eu 6 free wins et là j'ai eu 7 free lose. Et là en mode, oh bah, pas de chance. Tant qu'il y aura des comptes à vendre. Bah, je pense que les comptes à vendre, il y en aura toujours. C'est juste que je pense que Riot Games devrait ban beaucoup plus rapidement et faire des bans, c'est de 1 jour, de 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Tu vois. Et je pense que c'est ça, tu vois. En mode, tu rundown une ou deux games de suite, bah t'es ban 1 heure, tu vois. Sur une gomme, sur tes 6 dernières games, t'as 7 KDA négatifs et tu pues la merde littéralement sur toutes tes games, bah t'es ban 1 jour, tu vois. Genre si sur VT 20 games t'as 15 loose de suite et que tu pues à chaque fois la merde et que tu flames et tu spam FF, bah t'es ban une semaine, tu vois. Et en vrai je te promets que ils punissent les gens qui sont toxiques et qui puent. Bah, y aura moins de toxicité dans le jeu. Et s'ils enlèvent cette putain d'algorithme de merde de matchmaking truqué, bah le jeu redevient trop bien, tu vois. En deux trucs, le jeu il peut redevenir trop bien. Et au lieu de faire ça, Riot Games, ils sont là en mode argent, 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 argent. Bah, c'est nul, quoi. Ouais, tu sais, les ligues fermées, je disais que c'était nul, tout le monde se foutait de ma gueule. Il y a une époque, il y a 5-6 ans, même avant, je disais, toutes les levées de fonds et tout, c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de hype, il faut que ce soit des teams, il y a un peu des influenceurs à leur tête et tout. Tout le monde se foutait de ma gueule, maintenant, bah, c'est le modèle économique de tout le monde. C'est genre bon, juste en avant sur mon temps et c'est pas grave. Hein. Quand t'es en avant sur son temps, c'est juste chiant, mais. Toxic, oui, mais qui est plus non MDR. Ils font comment les bronze, silver, gold? Ah, les bronze, ils jouent en bronze en vrai. Donc bon. Genre si t'es en bronze et que tu fais 0-15 sur ces 8 dernières games, bah soit tu mérites un iron et tu perds 8 divisions d'un coup. Soit bah tu trolls et dans ce cas là tu prends un ban, tu vois. Mais en fait moi je refuse de croire que les gens ils trahissent. Si tu tryhard, c'est impossible d'être en 0-8 3 games dessus, tu vois. Tu peux avoir une game de temps en temps, tu vois. Je dis pas, mais moi des fois je fais des mauvaises games. Mais quand tu regardes leur historique, sur leurs 7 dernières games, ils sont 6 games où ils sont en 0-9. Il y a un moment où c'est pas possible, tu vois. C'est juste que bah tu trolls et si tu trolls tu dois être puni, tu vois. Moi je pense pas que le permaban et la punition ultime, et voilà, tu vois. Il y a un moment, tu dois avoir une sanction. C'est pas possible de troller des games et de niquer le fun de 9 personnes et tu t'en sors gratuitement, tu vois. Le Jax, il a FK. Une plante qui pue. Bon allez, on va se focus sur la nouvelle game, après je joue Zira Jungle, du coup je m'amuse. Au moins là, que je gagne ou que je perde, je m'amuse, donc c'est le principal. Si je vais tryhard, non moi je tryhard toutes mes games. Hein. J'aime trop jouer Zira Jungle. Alors on va jouer.
Ah mais j'ai le même support. J'ai le même support qui m'a rundown la game d'avant. Sans doute le hasard, les gens. Non, moi, je vois pas d'autre solution que le hasard. Hein. Encore une fois, hein, j'ai deux fois le même support qui pue. C'est bizarre, cette capacité à toujours avoir les mêmes mates. Quand t'as une team qui pue, t'as toujours les mêmes mates qui puent. Et quand t'as une bonne team, t'as toujours les bons mates qui sont bons. Comme si, tu vois, c'était codé. Genre... Non, ça serait bizarre quand même, je pense. Ça serait bizarre. Ouais, Yanni, fasse attention, perd tout le temps. Ouais, le gars il a pris la plante. Pas si on peut contest. Vas-y, bah, on peut kill. Oh, nice. Une jungle, encore une jungle div qui va être insupportable, mais bon, après j'ai des bons mains donc. Nice, c'est sympa de dire à jungle, tu fais le taf. Ouais, c'est marrant en vrai. En vrai, tu vois, en fait, c'est le type de champion où si j'ai une bonne team, je gagne. Si j'ai pas une bonne team, je perds, tu vois. Mais le champion, il est constant. Tu vas te faire rarement out jungle dans ta game. Bon, sauf si vraiment certains cas, mais dans tous les cas, je pense que c'est des games où... Le champion, en vrai, il est pas très faible en... Et après, c'est ça qui est marrant, tu vois, avec Xerath Jungle, c'est que les gens,
Quand ils sont à ou jungle, ils perdent ma flame, genre. Bah j'ai des bonnes lanes, j'ai gagné la game. Peut-être peur d'Akshan, ouais. Ah, les dégâts, ouais, je suis. Ouais, c'est obvious qu'il me trichote, le gars. Je dois respecter. Ouais, je dois respecter, c'est my ban là. J'ai un peu run down. Faudrait que je fasse les objectifs. En fait, je sais que Akshan est là, je sais que mon mid is bar. Fais gaffe parce que la game on peut encore la perdre hein. Là j'ai run down. Clairement c'est my bad. Là ce qui est chiant c'est que je peux pas trop jouer parce que... En fait je pense qu'il faut que je joue autour du top et que je fasse l'Herald et tout. Born, là. En fait je peux pas faire le Drake parce que ma botlane elle se fait un peu péter la gueule. Ah, le problème c'est que mid je peux pas jouer autour, bot lane je peux pas jouer autour et je peux pas faire aucun objectif, je peux rien faire dans cette game en fait, c'est un peu chiant. Akshan il est un peu everywhere et ouais, ils sont... Ouais. C'est vrai que je me disais, tiens, on est sorti de l'algorithme négatif, mais...
Il y a encore un peu. Hein. Ouais, je pense que je vais jouer full autour de mon top et puis. Aïe, action. J'ai un peu peur d'action, hein. Tant que je vois pas action. Faudrait que je back. En vrai, je peux peut-être kill facilement le top. I can't. En fait, le problème c'est que même si je veux jouer bot, je ne peux pas en fait. Je n'ai pas de bot lane, genre. Donc là, je peux pas jouer autour de ma bot lane. Ma bot lane est inexistante, donc bon. Enfin, je vais aller bot, je vais mourir en boucle. Vite ça. Alors que tu vois, si on gagne le top et qu'on snowball le top, bah on peut gagner la game. Ça marchait dedans ça. Ah vraiment, je peux pas jouer autour du bot malheureusement. Je rigole même pas hein, genre Ouais.
fait un peu peur, il y a Akshan qui va venir. Quoi? Oh. Il m'a mis combien de dégâts en vrai? Il m'a mis un crit, non? Il a du crit? Ah, il m'a mis un crit. Bah ouais, un lucky en vrai. Je pense que de toute façon je dois le taper et tout, mais ouais, il m'a un crit. Ok, nice. Feral. D'abord, the mission. J'avoue que sans mourir, on manque de dégâts un peu, mais... Bon, dans l'idée, c'était ça. Hein. Pas beaucoup de gold en vrai. Je t'aime. Ok, bon là on va commencer à faire pas mal de dégâts. Ouais, je...
Ouais, my bad, my bad. En fait, je me suis fait bait par mon allié qui m'a ping et j'étais là en mode bah vas-y go, mais. Le problème, c'est que j'ai mon Héral, mais je pourrais jamais le mettre en vrai. Je vais le mettre bot. Le problème c'est que j'ai même l'impression qu'on est 5 en fait. Bah j'ai jamais l'impression qu'on est tous là en fait les gars. Revive. Ah y'a Silas qui a une TP aussi. Je sais pas pourquoi on est jamais à 5 en fait. C'est le genre de game que si on groupe à 5 on gagne instant. Mais t'auras toujours un connard qui est pas là. Du coup ça fait que la game est injouable. On sera jamais 5 hein. Là c'est le genre de game où si on groupe à 5 on a une free win. Et on sera jamais 5. Hein. Malheureusement, c'est le genre de game où bon. On a toujours un connard qui va speed push ou un connard qui dit. Mais quand même fait échec solo au cas où. Ça fait que la game est impossible à gagner. Eux ils ont des meilleurs picks pour faire ça et. Les gens ils le comprennent pas, tu sais. Pas de chance. Comment on peut perdre une T3 alors que tout le monde a envie chez nous, genre. Il y a vraiment des mystères que je comprends pas, no joke, hein. Il a failli me recrit hein. Eh le Jax il est groupé, non. Jax il comprend pas qu'il y a un moment où il doit quand même un peu grouper quoi. Eh bah dormage. Armid il investe 9. Jax. Jax il y a un hard counter action hein. Ne veut pas grouper. Bon bah lucky. Je pense que cette game on est devant. On a juste à grouper pour gagner. Il y a action qui est le seul danger qui est fort contre les gens qui groupent parce qu'il peut rotate en 2 secondes et il se dit non je vais pas grouper. Bon bad lucky.
C'est pas de chance cette game. Encore une fois, hein, le jungle ennemi, 2-4-5. Tu vois, le jungle ennemi, il est à 2-4-5, il gagne, mais bon, je pense qu'il a de la chance. Hein.